C'est pas rien que transhumance, c'est toujours une aventure, c'est souvent une aventure. Cette nuit, c'était rigolo, j'étais dans le camion avec la musique, à fond la caisse, à rouler comme ça vers l'Aubrac, un peu fatigué parce que la nuit d'avant ou l'autre nuit encore, j'étais allé chercher une trentaine de ruches sur le colza pour les emmener sur l'acacia. Et puis, on charge les ruches dans le camion. Et puis, au moment de partir, je sens la direction qui tire un peu sur un côté. C'est bizarre, ça. Et effectivement, j'avais une route crevée. Alors, il restait un petit peu d'air dedans. J'ai réussi à aller juste sur la place du village. Et puis là, changer la roue et repartir, et puis rentrer à la maison. Une fois les ruches déchargées, c'est 4 heures du matin, quoi. Avec une bonne nuit de travail. Et donc c'est toujours un peu, on sait quand on part, mais il y a toujours cette angoisse, quoi. Cette peur de tomber en panne, c'est jamais bien facile, quoi. Et c'est vrai que le lendemain matin, là, après avoir dormi, quand on se réveille et puis qu'on voit toutes les ruches posées, là, bien sages, prêtes à commencer une nouvelle vie, et ça fait plaisir, quoi. C'est plein d'espoir qui arrive, là. C'est l'Aubrac. En plus, l'Aubrac, c'est pas n'importe quoi. C'est pas comme elle est transhumée sur le tournesol ou sur le colza. C'est autre chose. C'est des beaux paysages. On se croirait en Irlande. Tout est vert, là, il y a les pousses des genêts de partout, c'est magnifique. Et puis c'est vrai que c'est la promesse d'un miel, d'un sacré miel, quoi. Le miel de l'Aubrac, c'est pas rien, c'est un bon miel.